actually is different. She thinks out of the box, out of herself. She's all about giving to her community, her people. And I love the fact that in addition to what she does with her music, she has a center where she has literally provided an environment for internally displaced people to acquire skills, to live, and to make a living. Chile, divine endowment made it that she should be delivered in Scotland. And this wonderful lady of salt extraction is very talented. She seeks to valorize our cultural values. She upholds the salt culture in particular, the Cameroonian and African culture in general. Intellectually, she is learned. You know, she's gone to school. She's humble. She is somebody who is people-centered socially. Culturally, she is passionate about her culture. Aime être superficielle, comme quoi se conformer juste au marché du showbiz et ainsi de suite, et puis ça va. Moi, j'ai vu en elle quand même quelqu'un de bien, une belle âme, très professionnelle, elle chante très bien. Chile is somebody who is promoting the culture of the Northwest, particularly in soul, through music, and in the process making a living for herself. Her music is original, it's not copied. Her rhythm is unique, and I really do like listening to it. In fact, every Sunday I just have to put it and listen to all her tunes. Hello, Chile Wawaye. This is your girl, Lily Mika. I send you this message from the United States of America. I'm thankful and I am happy to see you pursue your dreams with all your strength and all your power. And I want to say that you have been an amazing girl from the beginning. You have fought for your dreams and you never, never give up. And to all the young girls watching, I want you to know that if there's something that you can learn from Chile Wawaye, it's going to be the fact that she does not give up. She believes in who she is. She believes in the gifts that God has given her. Mais Chili n'est pas qu'une excellente chanteuse, elle a également le cœur sur la main. Et vous allez le voir à quelques kilomètres d'ici, au quartier d'Aido. Depuis le déclenchement de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, de nombreux déplacés arrivent dans la ville de Douala, perdus et découvrent des ateliers qui sont un peu pour eux un sanctuaire. Ils sont nombreux à avoir rallié l'atelier avec un nouvel espoir. Nous sommes ici au centre de renforcement des capacités, centre Wawaye. Ça, c'est le centre que j'ai créé et ça fait pratiquement 2 ans. Et j'ai créé ça à cause des soucis que j'ai vus autour de moi. Beaucoup de mes jeunes frères et sœurs qui ont quitté du nord-ouest et du sud-ouest, qui me voyaient chaque jour en train de passer, ils appréciaient ce que je faisais et ils me demandaient le travail et tout. Et quand j'ai rencontré certains de ces jeunes, j'ai vu d'autres qui vivent dans des situations tellement touchantes. Et ça m'a rappelé aussi de là où je suis venue, ça m'a rappelé de mon parcours qui n'a pas été facile. Et j'étais personnellement touchée. Et je me suis décidée comme l'ambassadrice de la culture de chez nous pour ne pas rester indifférent. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cet appartement. Beaucoup d'eux avaient des talents, mais ils n'avaient même pas là où dormir. Une envie de venir qui ne date pas d'aujourd'hui.
Ça, c'est Samuel. Mon petit frère Samuel. Il est saoul, il est moins. Mais il brode comme la machine. Il est tellement duty conscious. Il travaille avec la passion. Chaque 7 heures que je viens ici, Samuel est déjà en train de broder. Ça, c'est quelqu'un vraiment que s'il a les moyens, il peut bien s'organiser. Déjà qu'il est, il a le nom de notre champion, Samuel Eto'o. Donc, Samuel, c'est un exemple. Et dans son atelier, c'est toujours la même ambiance, décontractée, rythmée par les mélodies du Chili.